Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, François Cluzet et Nicolas Duvauchel montent au front. Bien, nous, on a un chef, hein. C'est le metteur en scène. En l'occurrence, on doit être des bons soldats et essayer de qu'il obtienne ce qu'il veut. Thierry Lhermitte perd la mémoire. Oh non, ma couille, moi. Ouais, tu le connais? Et on a croisé un vrai cow-boy dans Paris. It's beautiful. It's definitely not the environment I'm used to. Le duel de la semaine est un face-à-face inédit entre deux grands acteurs, François Cluzet et Nicolas Duvauchel. J'ai très envie de me marrer. Quoi ? J'ai très envie de me marrer. C'est le cinéaste Jean Becker qui avait dirigé François Cluzet il y a 35 ans dans L'été meurtrier, qui a réuni les deux comédiens dans Le collier rouge, adaptation du roman éponyme de Christophe Ruffin. Une œuvre humaniste autour d'une confrontation entre deux soldats de la Grande Guerre, l'un juge militaire chargé d'interroger l'autre, un homme accusé d'un mystérieux outrage à la nation. Je ne comprends pas qu'un type qui a reçu la Légion d'honneur puisse se rendre coupable de ce qu'il vous a reproché aujourd'hui. J'imagine que vous étiez ivre. Je n'étais pas saoulé, je ne regrette rien. Et personne ne m'obligera à m'excuser. Sergent Cluzet et Duvauchel au rapport. Je sais que le costume est important pour tout acteur, mais est-ce qu'un uniforme est un costume comme un autre ? Bon, je pense que c'est un des meilleurs costumes qui soit. Parce que d'abord, il donne la fonction, et ensuite, il donne ce côté un peu magistral. De fait, moi, quand j'ai pris le costume, tout de suite, j'ai eu envie de me tenir droit. Parce que ça ne marche pas, le militaire, avec les épaules en dedans. Là, dans ce film, il y avait donc les costumes de l'époque. C'est Nicolas Laporte, c'est des crocs très épais, bleus, truc laine, épouvantable, ouais. Voilà, très très chaud. Et on tournait l'été, donc je dis à la costumière, il va falloir me trouver un costume léger qui ressemble comme deux gouttes d'eau au costume de l'époque, mais qui ne soit pas en gros drap. Vous l'avez vécu comment d'enfiler ce costume ? Ben moi, ça allait parce que j'avais plein de scènes sous la pluie et tout, donc j'étais bien content d'avoir mes 3-4 couches. On était là, on attendait des plombes sous la pluie, sous les rampes d'eau. Donc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met, c'est comme une seconde peau, et puis quand on met vraiment le costume, quand on est vraiment dans le... C'est où ça commence le travail, quoi. François, vous vous combattez essentiellement verbalement et mentalement le personnage de Nicolas. Se retrouver à deux dans une cellule qui, je crois, faisait moins de 10 mètres carrés, c'est un combat agréable à mener ou... C'est surtout une grande difficulté pour la mise en scène, parce qu'il faut multiplier les axes, autrement vous avez toujours la même scène. Donc dans une pièce de 9 mètres carrés, c'est loin d'être évident, il faut vraiment un grand metteur en scène, un grand chef opérateur pour barrer les axes. Après, pour nous, c'était très intéressant, parce qu'il s'agit d'une confrontation face à face, comme ça. Donc ce face à face, cet effet claustrophobique, comme ça, donne une pression telle sur les épaules. On a du mal à respirer, pas de jour. Donc de ce fait, on vient tout de suite au centre du questionnement. Je suis réservé. Doucement, Morlac. Qu'est-ce qui vous prend? Ce que j'ai fait, c'est contre les politiques. Les profiteurs qui envoient les autres se faire tuer à leur place. L'héroïsme, la bravoure, le patriotisme. Il y a encore des malheureux qui croient en ces conneries. Ce que vous dites est inacceptable. Vous insultez la nation, c'est inacceptable. La nation? Je vais beaucoup trop donné à la nation. J'aimerais vérifier si vous-même, François Cluzet et Nicolas Duvauchel, vous êtes de bons petits soldats. Alors sur un tournage, quel rapport est-ce que vous avez avec l'autorité? On est souvent... Moi, ça va, franchement. Peut-être plus jeune, j'en avais peut-être plus. Mais là, ça va avec le... Oui, puis ça dépend de quelle autorité. C'est-à-dire, nous, on a un chef, hein. C'est le metteur en scène. Donc, l'autorité du metteur en scène, parce qu'il exige quelque chose, nous, en l'occurrence, on doit être des bons soldats et essayer de qu'il obtienne ce qu'il veut. Après, si vous dirigez un acteur sans mettre les gants, là, vous pouvez le blesser et obtenir exactement le contraire de ce que vous cherchez. C'est fragile, un acteur. Des petits animaux sensibles. Oui, souvent, les grands metteurs en scène commencent toujours par vous dire « c'est super bien ». Et alors, tu m'as fait penser qu'on pouvait peut-être obtenir ça. Parce que si vous ne prenez pas ces gants, et si vous dites « non, ça ne va pas, c'est pas du tout ce que je veux », là, vous bloquez l'acteur, ça peut être terrible. Est-ce qu'il y a un réalisateur, un général, qui, plus que tous les autres, vous a donné envie de vous engager dans la bataille, quoi, qui vous n'avez pas eu peur? Ah maintenant, il y en a plusieurs, ça, heureusement, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de réalisateurs comme ça, qui donnent envie de se défoncer, de donner le maximum, bien sûr, mais par exemple, Jean ou Finkiel, avec qui j'ai tourné, ouais, c'est des gens avec qui je peux faire totalement confiance, ou Xavier Giannoli ou Claire Denis, j'en ai plein, quoi, ouais.
Bien sûr. Ah, Gianoli, je te le laisse. Ouais, t'as vu, bien. Mais là, ce qui était intéressant avec Jean Becker, c'est qu'il est assez rude, hein, très viril comme ça, à haute voix et assez fortement. Ouais, devant tout le monde, ça, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Ouais, ouais, plutôt, oui, c'est souvent entre quatre yeux, mais c'est vrai. Il y avait un truc justement qui n'était pas de la pose ou qui n'était pas fin, quoi. C'était vraiment quand il s'en sortait, on l'entendait derrière le combo. Non, c'est pas ça. Puis après, mais oh, si, si, en fait, c'est bien. Mais, ben voilà, non, c'était. Mais c'est, oui, c'est une autre façon de diriger, mais c'était. Moins grave, moins grave. Ouais, moins grave. C'est vrai qu'on était. Nous dirigeait tous les deux ensemble un peu. Oui. Mm-hmm. Il avait affaire un peu à la même, même façon de, d'être sur, sur un plateau. Alors j'imagine que ça n'a pas été le cas sur ce tournage, mais quand vous faites ces sessions, ça ressemble à quoi? Ça, ça voulait dire sécession face à un metteur en scène. Ouais, ça c'est compliqué. Ouais, ouais. Là, c'est fâchage. Ouais. Là, c'est juste parler jusqu'à la fin du tournage, c'est compliqué même pour un acteur. Ça n'arrive pas souvent, heureusement. Ouais. Hein, parce que moi, ça m'est arrivé une fois très fortement et je voulais abandonner le métier. Et en plus, moi, je suis rancunier. Hein, c'est-à-dire, si vous me blessez, ça va très mal se finir. Hein. Faites attention, Sophie. Faites attention. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis, je suis assez con. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris une décision comme quoi je suis fâché, je ne reviens pas dessus. Et je ne sais pas négocier. Non, mais c'est bien, cette entièreté comme ça, c'est bien. Pas d'égo. Non, non, pas forcément, non. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Un cow-boy solitaire dans les rues de Paris, l'image est aussi poétique qu'inattendue. It's beautiful. It's definitely not the environment I'm used to. I miss the horses, definitely. I'm used to riding multiple horses every day. It's been a while, but I'll get back soon enough, I suppose. Brady Gendreau, 23 ans, vient du Dakota, a du sang indien dans les veines et dresse des chevaux sauvages depuis sa plus tendre enfance. Bref, un vrai héros de cinéma et un acteur unique en son genre. I've been riding horses on my own since I was about a year and a half old, so before I was potty trained. I feel like it's what God put me here to do. God gives each of us our own talent, you know, and blessings, and I think that's mine. Do you have a resume? Any high school? GED? No. Excuse me, are you Brady Blackburn? Yeah. And my little brother right here, he's a huge fan. So do you like work here? Then your dad says you haven't been resting at all. He never listens, though. Well, where's all your money going? Fuck you, Brady. I don't need to hear your shit. Venue en repérage sur les terres de ce cow-boy moderne, la réalisatrice américaine Chloé Zhao a été tellement fascinée par Brady et sa vie qu'elle a décidé de raconter son histoire. Mais au lieu du documentaire, elle a choisi la fiction et demandé à Brady de jouer son propre rôle, celui d'un champion de rodéo victime d'une grave chute et qui ne peut se résoudre à abandonner sa passion. Une expérience étonnante pour Brady qui rejoue certains épisodes de sa vie mais incarne aussi une version fictionnelle de lui-même. She came out to the ranch and learned how to ride horses and move cattle with us and stuff, and I figure if she's not scared to get on a 1200 pound animal, then why should I be scared of a camera? She thought of many different things, you know, from like possibly a documentary with rodeo, a documentary with horse training. She thought of maybe doing like a fictional romance, maybe a fictional one where I'm just working on the ranch. There was many different ideas. Nothing really seemed to fit until after my head injury. She told me just to not worry about making a movie at all, just worry about healing. She found out I was training wild horses again only a month and a half after. And she's like, what, are you crazy? What if you die? And I was like, well, I didn't feel alive not training horses, Chloe, you know? She was like, so you're telling me that you'll risk your life to keep doing what you love to do? And I said, yeah, that's what I've been doing, you know, and stuff. So she's like, okay, I think we have something here. Oh, Crystal. Oh, 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 Crystal, oh, 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 oh. Well, sometimes it was pretty hard. The things she would ask me to do were not necessarily something that I would do in real life, but she would say, that's okay, the character would. I'm a pretty happy-go-lucky guy in real life, and I would have to be this somber character, you know? But it is based on a true story, and I'm very proud to express my story and portray my part of America and my lifestyles with the rest of the world.
I try to live like the old ways, I guess. Living off the land, being at one with nature, not getting caught up in the hustle and bustle of the world. I love, you know, that the smell in the morning, especially after rain, and there's no dust, and beautiful day, and the sun's coming out, and you can feel the water coming up off the ground, especially when you're on horseback, you know. Feel close to God. Vous connaissez son nom, vous connaissez son visage. Vous connaissez au moins l'un de ses films. Thierry Lhermitte, 65 ans et autant de millions de spectateurs attirés en salle en près de 45 ans de carrière, est un monolithe du cinéma français. Est-ce que vous savez lequel de vos films a le mieux marché au box-office français ? Je pense que c'est Les Bronzés 3. Plus de 10 millions. Acteur donc, auteur et même précurseur d'Internet dans les années 90. Ça, c'était en 94 ou un truc comme ça. C'était les débuts d'Internet. Les gens pensaient que ça allait, c'était une mode. C'était comme, je sais pas, comme quoi, mais enfin, que ça allait pas prendre. Ça allait pas prendre. Et aujourd'hui, dans la finale, Thierry Lhermitte et Roland, un grand-père atteint d'Alzheimer, qui part sur la route avec son petit-fils. Ça va durer combien de temps, ce truc-là ? Il peut pas dormir sur le canapé, l'autre ? Jean-Baptiste, ton grand-père, il faut toujours savoir où il est. Il est où, Dory ? Et comment ça va, Roland ? On se connaît ? On se connaît ? On se connaît ? Roland ! Ma couille ! Ma couille, moi, tu le connais ? Si son personnage peine à se souvenir, Thierry Lhermitte, lui, n'a aucun mal à répondre à notre interview. Souvenir, justement. Je suis pas sûr, mais je crois que le premier film que j'ai vu au cinéma en salle, c'est La Conquête de l'Ouest. Il y avait un plan comme ça en contre-plongée avec un train qui arrivait sur le spectateur. Ce souvenir-là. Je me souviens, au lycée, j'ai joué une pièce de Michel Blanc qui s'appelait La concierge est tombée dans l'escalier avec Junio, Clavier, Blanc et moi. C'était l'an 01. Qui était une adaptation d'une bande dessinée qui était dans Harakiri Hebdo. C'était une petite, pas une figuration, mais une petite participation où on était tous là en train de distiller des herbes pour faire de l'alcool ou une drogue quelconque dans ce délire utopiste qui était l'an 01. J'ai fait des films américains, j'en ai fait un important qui s'appelait Until September, dans lequel on me prédisait toutes sortes de futurs américains. Le film n'a pas marché, donc ça s'arrêtait là. Non, ça m'a jamais fasciné, jamais attiré. Le seul truc qui m'attirait, c'était de faire des rôles intéressants et des bons films. Bon, le premier que je n'aurais pas vu venir, c'est Les Bronzés. Nous, on est au théâtre quand on fait Les Bronzés, et le producteur vient nous dire « on a fait 10 000 entrées le premier jour » et tout. Alors on dit « mais c'est beaucoup, c'est pas beaucoup ?» Il dit « non, mais c'est énorme, vous vous rendez pas compte, c'est énorme !» Je regrette aucun rôle que j'ai fait, j'ai pas fait que des bons films, mais loin de là. Mais honnêtement, les films que j'ai refusés qui ont été des bons films et qui ont fait des succès, il y en a. Est-ce qu'ils auraient fait du succès avec moi ? J'en sais rien. Est-ce que ça aurait été le même film avec moi ? On n'en sait rien, donc tant mieux pour ceux qui l'ont fait. Merci beaucoup. Merci. Merci. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec la nouvelle génération. On croisera à la fois les héros du nouveau Spielberg, Ready Player One, un acteur en état de grâce, Tahar Rahim. Vous savez, aujourd'hui, c'est des films qu'on va voir plus que des acteurs. Et un duo féminin charismatique, Leïla Bekti et Zita Andro. T'as pas de vie, t'as pas de mec, t'as pas de gosse, t'as rien. T'es rien, Mona. Salut !